Aujourd'hui, je vais faire un projet au crochet pour tester la laine peinte de Katia. Le patron que je vais suivre est gratuit sur katia.com. Il vous faudra une palette de Katia peinte de 150 grammes, un crochet 4 mm, une aiguille à bout non pointu, des petits marqueurs et une paire de ciseaux. Et on va débuter ça. Voici le schéma que nous allons suivre. On peut appeler ça aussi un graphique. Moi, j'ai déjà commencé et je suis rendu à ma troisième couleur. Mais pour vous montrer à le débuter, je vais recommencer au tout début. Voyez, ici, moi, je travaille toujours avec une petite feuille où j'écris tous mes rangs. Comme ça, je sais toujours ce que je suis rendu et c'est beaucoup plus facile. Mon graphique ici, on va se rapprocher pour le regarder comme il faut. Il m'indique 7 petites mailles chaînettes. Donc, si je lis la première étape qui est mon montage, je me demande de faire 7 mailles chaînettes, juste ici. Ensuite, j'ai 3 mailles chaînettes de plus ici qui vont être les mailles en remplacement d'une bride. OK? Donc, je vais en fabriquer 10 d'un coup. Puis, je vous montre comment faire ça à l'instant. Pour commencer, on débute avec un nœud coulant. Comme ça ici. Je dois faire mes 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous allez remarquer que l'anneau sur mon crochet ne compte jamais pour une maille. Et je vais insérer un petit marqueur dans ma dernière maille ici que j'avais fabriquée, la 10e. Je place mon petit marqueur. Pardon. OK. Et je vais indiquer aussi la 7e. Je vais les recompter avec vous pour vous montrer. La 7e qui va être la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être celle-ci. Et je vais mettre un autre petit marqueur dedans. Comme ça ici. De cette façon-là, vous allez avoir vos points de repère. On rembarque le crochet de la bonne façon. Et on débute le projet. Si on regarde toujours sous mon graphique, il me demande de travailler en bride. Le petit signe comme un T, c'est une bride. Et on me demande d'enligner 6 brides sur chacune des mailles chaînettes de mon montage. Pour savoir où je commence à les poser, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Elle est sur la 5e qui se trouve à être juste à côté de celle que j'ai marquée. Donc, pour faire une bride, je prends un jeté. Je viens piquer dans ma maille à côté de mon marqueur. Je sors une loupe. Et vous, j'ai 3 loupes sur mon crochet. Je vais venir chercher un jeté. Et je vais couler 2. Un autre jeté et je vais couler encore 2. Ma bride est effectuée. Maintenant, il m'en reste 5 autres à placer. Je vais venir sur celle à côté, la maille d'à côté. Et si vous remarquez bien, moi, je pique toujours
dans le brin à bas, de façon à ce qu'il y ait deux mailles par-dessus. Ça, c'est au goût. Il y en a qui vont piquer seulement en haut, laisser deux brins en bas. Moi, je préfère piquer en bas. Et voilà, je vais couler 2, 2. Je vais me rendre jusqu'au bout. Ma dernière. Et voilà. Maintenant, si je veux compter combien j'ai de brides, je vais compter ça de cette façon-là. La première étant les trois mailles en l'air qui remplacent une bride, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien 7 parce que sur mon graphique, on m'avait demandé de monter 7 mailles chaînettes de base. Maintenant, pour le deuxième rang, je remets mon crochet. Je dois toujours pivoter mon travail par devant pour que la laine soit derrière mon crochet. Jamais devant mon crochet, toujours derrière. Ici, on me redemande de faire 3 mailles en l'air plus une. Si vous voulez voir comme il faut, 1, 2, 3, 4. Les trois premières pour remplacer une bride. 1, 2, 3. Je vais toujours marquer cette troisième maille-là parce que c'est la tête de ma bride. OK? Plus une parce qu'on m'a demandé d'en faire 4. Ici. On me demande de passer une bride et d'aller piquer une bride sur la troisième qui suit. Donc, ici, pas sur celle-là, pas sur celle-là, sur celle-là. Et quand je pique, juste vous le refaire, assurez-vous d'avoir les deux fils sur le dessus de votre crochet, comme ça ici. On fabrique une bride. Bon, ici est fabriqué. On me demande encore de faire une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. On va se rendre jusqu'ici. Vous avez remarqué, ça fait des petits carreaux. C'est ça qu'on veut. OK, j'avais dit que je me rendais jusqu'au marqueur. Donc, j'ai juste à piquer. Tout est indiqué. C'est le fun pour ça, les petits marqueurs. Ça m'indique exactement l'endroit où piquer. Je rentre exactement à la même endroit. Là, je viens de faire celle-ci. Je dois faire une maille en l'air et refaire une bride dans la même maille. Et c'est ça qui va faire mon augmentation. Une. Et je repique au même endroit. OK. On pivote. On est rendu au troisième tour qui débute toujours par mes trois mailles en l'air. Un. 2, 3, je place mon marqueur dans la troisième et on me demande de faire huit brides sur mon rang. Et si vous remarquez, ils sont tous alignés sur chaque maille du rang précédent, jusqu'à celle du marqueur.
Pour celle-ci, les mics sont entre les brides. On a simplement à venir piquer dans l'espace. On ne pique pas dans la maille, on pique dans l'espace. Quand on arrive à la bride, on pique dans la bride. Et on fait tout notre rang de cette façon. Je termine mon troisième rang en piquant dans mon petit marqueur. Et je termine ma bride. Donc, pour le troisième rang, je suis rendu à 2, 4, 6, 8, 9 brides. Ça qu'on peut indiquer 9 brides où est-ce qu'on est rendu. Ça qu'on avait débuté avec 7. Lorsque j'ai fait mon augmentation, ça donne un résultat de 2 de plus. Et c'est pour ça qu'au troisième rang, j'en ai 9. On va continuer ainsi sur tout le graphique. Et pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire le R ici, ça veut dire que c'est toujours ces deux rangs-là que vous allez répéter. Pour ça qu'on appelle ça une répétition. Le rang 11 et le rang 12 vont être répétés jusqu'à la fin de votre projet. De cette façon, à tous les deux rangs, vous allez avoir une augmentation de 2 mailles. Moi, je suis rendu à mon deuxième changement de couleur. Je vais vous montrer comment insérer votre laine pour ne pas avoir de démarcation de l'autre couleur. Quand vous allez terminer votre rang de la dernière couleur, comme ça ici, on insère dans la maille. Je fais seulement la moitié de ma bride. Je viens chercher ma nouvelle couleur. N'oubliez pas de couper votre laine avec une petite longueur environ de 15 cm. Insérez votre nouvelle couleur pour terminer votre bride. Et le tour est joué. Je vais pivoter mon travail. Je vais faire 3 mailles en l'air. Dans le cas ici, je suis rendu à la section des petits carrés, donc je vais en faire une quatrième. Je vais venir ici, 1, 2, 3, sur la troisième. Et je poursuis mes petits carrés. Maintenant, je vais vous montrer comment entrer votre laine pour que ça soit plus joli. Moi, je préfère toujours changer mes laines au début d'un rang. Donc, même si mon travail aurait continué, si la couleur aurait continué dans le travail un peu plus loin, je ne l'aurais pas commencé. Je le pars du début et s'il y a un excédent de laine, je la coupe tout simplement et je la garde pour faire des décorations, soit des petits glands à chaque bout de mon châle. Et pour vous montrer comment j'arrive avec une belle précision pour rentrer mes fils, ça va être de cette façon-ci. Je vais faire un petit nœud sur ma bordure et un autre. Toujours deux. On les pousse pour qu'ils soient vraiment prêts. Chaque laine doit être rentrée dans la même couleur que le bout de laine. Je vais rapprocher mon travail pour vous montrer. Ici, je vais entrer. Et je vais me faufiler dans la bride. Je vais aller dans la bride d'à côté. Et
et je vais continuer ainsi. Environ 3-4 brides. Après avoir inséré le fil dans environ 5 mailles, j'ai juste à le couper. Je vais faire la même chose avec l'autre couleur. Donc, je vais remonter ici. Assurez-vous toujours de piquer aussi dans le brin de laine en le divisant. De cette façon-là, votre laine elle va rester plus à l'intérieur du brin. Comme ça ici. Ça donne un ouvrage beaucoup plus propre. Il n'y a rien qui paraît. Comme ça ici. Au crochet, c'est l'avantage pour rentrer les fils. Et je coupe tout près. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à continuer un autre couleur. Donc, amusez-vous, c'est à votre tour!